Il n'y a pas de surprise, hein, vous avez tout dit dans la question. Le fait qu'il puisse bosser sérieusement, notamment dans un championnat compliqué, difficile, que le championnat de France et le quotidien d'un club de Ligue 1, font que, voilà, moi, c'est de très très bon augure quand je vois Youssef comme ça bosser. Je suis content qu'il puisse avoir en tête, bon, je ne vais pas me soustraire à lui-même et peut-être son entourage ou son agent, mais je suis content qu'il puisse avoir en tête déjà de continuer dans cette Ligue 1. Il n'est pas arrivé, il lui a fallu un petit peu d'un temps d'adaptation, comme beaucoup, comme même des très 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 grands joueurs. Messi lui-même a un petit peu galéré pour cette première saison. Donc Youssef, quand il est comme ça, quand il est dans la plénitude de ses moyens physiques, il est capable de très grandes choses. Vraiment, c'est un joueur qu'on apprécie tous, que tous les amoureux du football apprécient ce genre de joueur. On est heureux de l'avoir avec nous. On est heureux qu'il puisse encore comme ça. Il a été très très meurtri au même titre que beaucoup de joueurs, mais peut-être avec un petit plus parce qu'il avait vraiment envie de faire cette Coupe du Monde là. Et très meurtri par cette élimination. Aujourd'hui, moi, je suis pas surpris de ce qu'il est capable de faire. Et c'est même un plaisir, même pour moi, même en tant qu'entraîneur, de le voir évoluer.